Malheur. Arrête ça, tu me fais peur. Ah, le bordel. Je suis vraiment la petite soeur maltraitée de cette famille. T'en as lancé deux là. Non, j'en ai mis qu'un. Maman. Hey, aujourd'hui pour cette vidéo, on a commandé des objets divers et variés spécial Noël sur Amazon et on va voir s'il valent le coup. On va les tester ensemble et on va les noter sur une échelle de 1 à 10. On a des vêtements, on a des objets, on a tout plein de trucs. En fait, ouais, moi je sais plus ce qu'on a. Bon, on va découvrir ensemble. C'est parti. C'est quoi ça? Je sais pas, ça a l'air d'un truc gonflable, il y a un truc... Avec des anneaux, des cerceaux? Non, c'est pas ça, je crois pas que c'est ça. Il y a des petites balles en mousse. Il y a une pipette. Il faut les gonfler, on va découvrir ce que c'est ensuite. Ok, je me lance dans le gonflage. Non, par contre, moi, quand je gonfle un truc, je m'évanouis, genre quasiment une fois sur deux. Bah ouais, moi aussi, ça me donne la tête qui tourne et aussi, je vais cracher dedans. Je vais peut-être vomir dedans. Je savais pas que c'était gonflable, c'est chiant de ouf. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut que tu... Je sais, j'allais te dire aussi. J'allais te dire aussi, j'étais pas sûre que tu savais. Ah, ça pue, ça sent les bouées de plage. Tant que ça sent que les bouées. Non, laisse ta bouche dessus. Ah, gonfle plus. Mais j'arrive pas. Pousse. Comme ça, avec tes lèvres tirées. Mais pousse plus. Avec ton jeu. Bon bah, je mets ma bave sur la tienne, vas-y, lâche. Ok, j'ai extrêmement bavé, hein. Ah, ça me dégoûte, j'ai mangé ta bave. Ouais, c'est normal. Ça arrive souvent. J'étais déjà réveillée. C'est la pire chose de foutre des claques à quelqu'un quand tu t'évanouis. C'est hein. Horrible. Parce que nous, on est les professionnels de l'évanouissement, on s'évanouit tout le temps. Et genre, pourquoi tu... Laisse-moi tranquille, je vais me réveiller toute seule. Ouais, les gens naturellement vont essayer de te réveiller en te donnant des petites claques, en te mettant de l'eau. Non, l'eau, c'est... Ça non. Fait du bien. Boire de l'eau, non, moi je peux pas. Non, de l'eau sur le visage. Ouais, de l'eau sur le visage, c'est la meilleure mais chose. Mais genre, quand on donne des claques alors que t'es dans ton meilleur évanouissement, laisse-moi. Je te donne tout, ok? Tu dois gonfler tout. Non, putain. Mais moi, regarde lui comment il est gigantesque, il y en a deux. Je vais essayer de faire lui. Non, tu vas pas réussir. Non, ton jaune, il est pas mieux. Faut que je rentre dedans. C'est des barres. J'espère que le jeu va en valoir la chandelle. Hein. On n'est pas obligé de gonfler tous les cerceaux au seuil. Oh, mais faut au moins les deux trucs pour nos têtes. Ouais. Oh, mais c'est génial. Oui, il va falloir lancer les petits cerceaux dans les petites barres. Mais c'est trop bien. Attends, on peut te l'accrocher, je crois. Oh, cute. C'est génial. Je vais gonfler le tien, ok? Ok. J'espère que ça va bien m'aller parce qu'autant d'efforts. Mais si, je pense que ça va aller avec mon outfit. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça va être un outfit? Ça va avec mon outfit? T'as pas le choix de toute façon. Ah, j'aime bien. Alors là, en fait, je crois que le jeu, ça va être de lancer les anneaux sur la tête de l'autre. Faut mettre ça sur notre nez, ça, ouais. C'est génial ce jeu. Mais moi, j'ai trop un gros pif, ça tient pas. Ah, moi, ça tient. On est trop bêtes. C'était pour gonfler, putain. Mais moi, je pensais que la seringue, c'était pour se la mettre dans. Non, mais. Ça marche si bien. Ah, on est trop cons. En plus, ils sont bien gonflés là. C'est beaucoup mieux que ça. Rien à voir. Fais-en des vides. Attends, je fais lui. Non, mais tu vois, c'est super satisfaisant. Ça fait un vide. Mais je le vide. Bah non, c'est ridicule. Ok. Avoue que c'est trop nice. C'est génial. C'est hyper satisfaisant. Je me sens comme un père de famille. Ça a aucun rapport. Mais si, il gonfle des pneus, il gonfle les bouées des enfants et tout ça. Ah ouais, c'est ça le rôle d'un père. Bah ouais. Ok, c'est bon à savoir. Oh, c'est ça, c'est la belle jante, ça. C'est la belle Austin. Ok. Ok, vas-y. C'est vrai? Non. Oh fuck, attends. Yay! Yeah. Ok, t'as droit à 5 tirs. Ok. Ouais. Non. 4, merde. Est-ce que je suis pas en train de me faire victimiser en ce moment? Après, c'est ton tour. Oh, j'ai hâte. Attends, faut que j'en ai un deuxième là. Yes! Yay! 2 sur 5, à toi. Prends les plus gonflés, c'est franchement, mieux. C'est un sport de haut niveau hein, quand même. Hein. Ouais, de ouf. Tu vas voir, c'est génial. Placez-vous bien. Ok. T'as l'air trop court. T'es prête? C'est le meilleur. Ah non, mais toi, t'as une branche qui part un peu de traviole. Oh, vas-y là. Eh, attends, la tension, elle a son con. Ah, j'avais oublié que t'étais nulle. Alors, c'est bon, j'ai gagné, c'est sûr. Eh, t'as pas le droit d'avancer. 1. T'en as lancé 2 là. Non, j'en ai mis qu'un. Ouais, ouais. Oui. Oh non, j'ai un point. Et ben voilà, j'ai gagné. C'est le meilleur. Ah non, j'en reste un. Il me reste un. J'en ai un. T'es une tricheuse. Non, j'en ai un. J'en ai un. Retourne-toi. C'est une tricheuse. Oui. Oui. Égalité, faut faire une revanche, ça y est. Revanche. Mais ton nez, il est où? Je sais pas, il est tombé dans les escaliers. Ça y est, vous avez pas envie de faire ça. Bah comme. Non, moi je tiens aux règles. Moi je suis pas une tricheuse, ça y est. T'as triché tout à l'heure? J'ai absolument pas triché, je me suis juste annoncée. Deux. Fuck. Oh non. Nope. Oh putain, je suis trop nulle. 0 point à moi de slay. À quel point tu peux slay avec ça, genre? Tu peux pas slay avec ça. Mais là, t'en as 10, qu'est-ce que tu fais? Hein? Non! 1, 2, 3, 4, c'est 5! Tiens, allez. Il est où ton nez? Il est sur mon nez. Ok. Tout va se jouer maintenant, guys. Lance-les vite comme moi, sinon ça se fait pas si tu réfléchis trop. Non, moi je réfléchis. Non! Attends, je suis droitière, je crois. Je sais plus si je suis droitière ou gauchère. Non! Ça se fait pas, ça! T'as pas le droit de faire ça! T'as pas le droit de faire ça du tout. Allez, rien ne m'arrête. Un point, j'ai gagné. Félicitations, vous avez gagné haut la main, peau de serre. J'ai gagné, gloire à moi. Objet suivant.
Ça va être trop bien les gars, c'est une maison en KitKat. Vous savez les maisons en pain d'épices que vous montez vous-même? Bah ça c'est la même chose sauf qu'avec des KitKat. Attends mais tu dois vraiment créer une maison en chocolat? Ouais tu vas voir c'est génial. Mais c'est incroyable. Je sais pas s'il faut pas que je... Tu vois faut découper des trucs ici donc faut pas l'abîmer la maison. Et toi tu voudrais pas me prendre un petit ciseau ou un truc? J'allais te demander ça justement. Ok, c'est à dire qu'il faut que je me lève? Ouais. Hein, c'est pas cool. Notre trousse comprend bar KitKat, Smarties, décoration colorée, sac de glaçage et plateau facile à assembler. Demande à un adulte de t'aider à découper les fenêtres. Faut un adulte? Ouais. Maman, ouvrez les KitKat Soy. Ouvrez-les. Tous? Mais oui. Au niveau des couleurs, c'est comment? Alors, des marrons. Prenez des marrons. C'est génial cette activité. C'est vraiment trop bien. Ah, on n'a pas noté sur 10 ça. Franchement, 10. Moi, j'adore ce jeu. Moi, en fait, j'aurais mis 10 si je l'avais tout gonflé à la pompe parce que je trouvais que c'était agréable. Ouais, mais avec la pompe, c'est parfait en vrai. Avec la pompe, c'est 10. Donc, tu vas faire un côté vers l'extérieur. En fait, il y en a un qui va être vers l'intérieur. Ça va être la porte de la maison. Regarde, lui, je vais le mettre vers l'intérieur. Sinon, tous les autres sont vers l'extérieur comme ça. Mais pourquoi? Tu vas comprendre. Non, je comprends pas. Tu vas comprendre? Non. Ça va, c'est pas trop long finalement. Je pensais que ça allait durer des heures, mais ils sont non, entiers. Ouais, c'est rapide. Bien. Et là, maintenant, on doit mettre les tic-tacs. Malheur! J'ai cassé la maison! Ok, je vais récupérer ça, t'inquiète. Avoue, si on avait fait ça en étant enfant, si on avait cassé un, on aurait pleuré, genre. Ouais, ça serait c'est sûr. Et toi, t'aurais dit, maman, Karen a cassé! Ouais. Et toi, t'aurais dit, non, c'est pas vrai! Et après, tu m'aurais regardé comme ça. Non, j'aurais pleuré. Non, tu faisais des bails comme ça, tu faisais des regards démoniaques, ça. Ouais, mais j'aurais pleuré parce que j'aurais été quand même triste s'il était cassé. Ah, ok. Non, mais c'est des ouf par contre. D'un coup, tu termines la maison en mettant de la chantilly, des Smarties et tout, genre. Ah ouais, il y a du glaçage ici. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment chaud, c'est très sérieux. Tadam, oh my god. Regardez-moi cette merveille. Oh, par contre, à quel moment tu manges tout ça? Tu touches le machin, il y a tout qui se barre. Mais je pense que le glaçage va maintenir tout, non? Non. Ok, c'est parti, je me lance dans le glaçage. Mets un petit point sur ma porte. Un petit point? Ouais, c'est pour la coller. Je mets comme ça. Ouais. Pas trop, hein. Non mais c'est trop bien, je meurs. Ça me donne l'eau à la fesse. Je peux faire un peu? Vas-y. Tu vas y arriver, Soy? Oui. Ok. Attention, regardez, vous avez fait une petite zigounette là. Mais c'est vous la zigounette? T'as vu, je suis de la force. C'est magnifique. Le glaçage est délicieux. Oh, le glaçage est pas bon, t'as dit que c'était bon? Ouais, il est délicieux. Mais il est horrible. Il est délicieux. Ok, maintenant faites un croisé sur le toit. Voilà, tu m'en demandes beaucoup. Faire des petits designs et tout. La dernière fois que j'ai demandé de faire un croisé à quelqu'un, c'était la fille qui me fait les nails. Et franchement, faut pas regarder de près. Ah ouais, elle a fait ce design-là un petit peu. Ouais, elle a fait un croisé comme ça. Depuis, je suis phobique des croisés, genre. Je suis pas sûre que ça va être beau. Ok, je peux le faire, moi je sais ce qui va être beau. Arrête ça, tu me fais peur. Ça marche. C'est très bien, c'est très bien, ça continue. C'est vrai? Crois en toi, ça. J'ai peur. Descends bas. Bas. Soy. Ok, c'est bien. J'ai peur. C'est magnifique ce que tu fais, Soy. Faut croire en soi dans la vie. Tu me demandes de faire tes nerfs la prochaine fois. C'est magnifique, regardez-moi. Ce travail incroyable. Ok, là faut mettre des petits Smarties entre chaque croisée. C'est beaucoup mieux qu'une maison en pain d'épices hein, parce que c'est moins chiant à faire. C'est parfait. Faut varier les couleurs, ça. On garde que ces trois couleurs, c'est beau. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais... Pas d'orange? Non, je trouve ça beau. Ça fait gourmand, genre. Si, c'est beau, orange. That's cute. Pas comme ma tête en ce moment, regarde ça, ça fait aucun sens. Non, Soy, qu'avez-vous fait? C'est merveilleux. Je prends une photo, hein. Je vais mettre en photo de profil sur Instagram. Bah oui. Et Facebook. Market. Ok, je fais une plaque tournante, ok? Ok. Incredible. Par contre, pourquoi il y a des trous ici? Ça me gêne un peu. Ça me gêne beaucoup, hein. Je vais mettre un 9,5 sur 10 juste pour ça. Ouais, moi aussi, pour les trous, parce qu'il y a clairement un manque de finition. Allez, on dévore ou quoi? Tu veux le dévorer? Ouais. Oh non. Ah, c'est beau, c'est quoi celui? C'est Christmas Whatever. Ça s'appelle Christmas Whatever? Okay, non, ça s'appelle Winter Wonderland. Franchement, les filtres de Noël, c'est ma vie. Je vais le voler. Ça se fait pas, Soy? Bah oui, je le vole. Tu feras pas ça, Soy. Ah! Tu feras pas ça. Aïe! C'est la baston la plus passive de l'histoire, genre. Aïe, m'arrête, ça fait mal. Ok. J'allais foutre ma main. Ouais, j'ai trop envie de lui faire du mal. Vas-y, on peut lui faire du mal. Oh, c'est trop bon la crème avec. Je crois que c'est la petite dedans. Eh hey Vincent, viens voir, t'as même pas été voir. On vient de la détruire, mais on a fait une super maison KitKat. Mange, c'est trop bon avec le crémage. C'est génial. Oui. Ah ouais, tu crames dedans comme ça carrément. Tous ces efforts fournis pour rien. Bah si, pour vous aller réconfort. Non, parce que tu mets tout ça sur une table sans monter la maison. Non, mais c'est moins fun. Non, c'est moins fun, je suis désolée. Le goût est différent. Non, mais c'est moins fun. Ouais. C'est genre un kit. C'est un kit KitKat. Imagine, il y a des kits KitKat pour les cats. Bah non, parce que les KitKat, c'est pas fait pour les cats. Bah il pourrait y avoir un truc pour les cats. Donc ça fera un kit KitKat cat. Un KitKat spécial cat. C'est assez. 9,5 sur 10, juste à cause du trou sur les côtés. Ouais, je suis d'accord. J'ai les doigts qui collent, j'ai les genoux qui claquent. La gueule qui colle. J'ai les bonbons qui font des bons. Allez, donne-moi de l'eau, tu m'as même pas donné. Mais pourquoi je ferais ça? Ok, objet suivant.
C'est ton outfit ou mon outfit? On en a un chacun normalement. Je sais pas, on va découvrir. Non, toi t'as la robe, c'est à moi. Toi t'as la robe, tu sais, vintage un peu, non? Non. C'est simple, si c'est du S, c'est à moi, c'est du M, c'est à toi. Oh, non, mais bref, je veux ça. C'est pour moi en non, fait. Non, je le veux s'il te plaît, je te l'achète. C'est quoi la taille? Je sais pas, mais y a pas écrit. C'est du M. Oh non, mais voilà, moi j'aurais un truc moche. Mais peut-être ça va aller. Non, c'est pour moi. Regardez ce que j'ai moi. Non, c'est pour Bernadette. Il y a personne qui me respecte. C'est pour Bernadette. Non, c'est pour moi. Non, je te jure que c'est pour Bernadette. C'est un tutu de chat. Okay, alors... Je vais aller la chercher et change-toi, toi. Ok. How cute. Voici Bernadette. Oh, non. Oh ma puce. Attends, mais c'est un peu beau, regarde, attends. Ça lui va pas du tout parce qu'elle est orange, quoi. Ça va pas du tout le rouge et le orange. Oh ma puce. Moi, je la trouve belle. Elle est trop mignonne. Bah non, mais c'est une petite jupe de princesse. Oh, tu es trop belle, mon oublette. Ah, ça lui va trop bien, après une photo. Elle est fou sur ton IG, ma puce. Bah voilà, je suis ultra jalouse. On dirait les petites robes qu'elle porte dans Mean Girls, dans le spectacle de fin d'année. Je connais pas du tout. Ok. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ultra jalouse. Vous allez pouvoir la porter, je vais vous la prêter. On bah se la prête. Non. Elle est à nous deux, ça. Bah non, parce qu'elle va être trop grande pour moi. Non, parce qu'il y a des petits corsets, tu peux la serrer. Et tu peux la serrer aussi. Mais j'essaierai au maximum sur toi. Moi, je suis un bâtonnet de frites. Hein. Mais non, Soy, pour vrai, tu pourrais l'essayer. Ou tu sais quoi, encore mieux, tu pourrais la commander. Commander en S, c'est ça que j'arrive. Oh, Soy, tu vas faire ça et on va faire une petite photo de ouais, twins de Noël. Tu la notes combien sur 10? Franchement, pour une robe Amazon, attends, écoutez combien? Parce qu'en vrai, la fourrure est quand même très fluffy. Le matériau est quand même super mignon. Le matériau? Le matériel, les petits corsets devant et derrière, ça permet vraiment de cintrer bien la robe. Donc ça c'est nice. C'était, attention, 53$. Oh, c'est quand même cher. C'est quand même cher, mais après ouais, pour le prix d'un costume, en général c'est ça, c'est ces prix là. Hein. Oh, je sais ce qu'il faudrait. J'ai une idée de génie, Soy. Bah, c'est pas très une idée de génie, je suis sûre que t'as déjà compris ouais, ce que je veux. J'ai déjà compris, tu veux le même pour le chien, c'est ça, mon chien. Oui, et on fait Bernadette et Eden. Mais tu voudras jamais mettre Bernadette à côté d'Eden, t'as trop peur. Ah oui, c'est vrai ça. Et puis Bernadette, elle va jamais rester, comment tu peux la prendre? On doit faire un photomontage. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais ça a l'air génial. Plus les cadeaux sont gros, mieux ils sont. Pourquoi quand on a le bourdon, on dit qu'on a le bourdon? Est-ce que les bourdons sont déprimés, genre? En ce moment, je me pose plein de questions qu'on part à existentiel. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est les boules, les trucs de boules à neige là. Je suis pas prête psychologiquement à lancer des boules de neige. Mais tu sais qu'il y a même pas assez de neige dehors pour faire ça. Hein. Et c'est la nuit. Attends, c'est un boule de neige maker? Ouais. Tu mecs ta boule de neige avec la pince. Mais aucun intérêt. Bah si, parce que tu fais des parfaites boules. Au milieu, tu mets un petit caillou. Mais ça fait même pas des parfaites boules parce que ça va pas la compacter la boule. Ça va juste prendre de la neige fluffy, ça va pas la compacter. On essaye. Non mais attends, t'es sûre que c'est fait pour ça? Soy, viens avec moi. Je suis pas sûre que c'est fait pour ça. Vraiment. Ok, je vais aller, je vais faire une boule. Oui, vas-y. Mais ça va pas la compacter, regarde, ça va pas du tout la compacter. Vas-y, ouf. Et ben voilà, c'est nul. Ça la compacte pas. Ah, on le renvoie, c'est nul. T'es sûr que c'est fait pour ça? Faudrait regarder. Ah, bordel. Non mais arrête. Eh, hey, tu peux faire de la pluie comme ça. Ça peut servir de petite pluie, c'est quand même bien. Ok, pour voir le prix? Non, pour voir à quoi ça sert, parce que moi je suis pas sûre que mais ça c'est un boule maker. Non. Faudrait que ça fasse pour que ça compacte. Oui, parce qu'il faut beaucoup de neige pour pouvoir compacter. Là, il y en a pas. Ouais, c'est ça. S'il y a beaucoup de neige, ça compacte. Vas-y, c'est pas bon pour moi. Faut réunir la neige, réunir la neige avec la pelle avant. Je vais manger une fucking boule de neige. C'est nul? Ouais, franchement, c'est pas bon. Okay. Je pense peut-être s'il y a énormément de neige, mais pas okay. Sûr. C'est pas approuvé, 0 sur 10. On le renvoie. Ah, tu veux vraiment les renvoyer tous? Bah oui, tu veux les garder? Mais c'est pas, tu veux vraiment les renvoyer? Tu veux les garder ça? Mais comment on renvoie ça dans Amazon? Tu renvoies jamais les colis, je renvoie une fois par semaine des colis Amazon. Non. Bah c'est gratuit, t'as juste à le demander une étiquette, tu mets dessus, tu le renvoies et ils te remboursent. D'accord. Tu fais jamais ça, chaque fois que tu commandes un truc, c'est parfait pour toi? Oui. Tu vas renvoyer les trucs alors qu'on les a déballés? Bah oui. Et ils sont ok? Bah oui, ils sont ok. On va pas garder ça. Moi je me satisfais de ce qu'on me donne, genre je me pose mais pas on de questions. On a payé. Bah ouais, on a payé donc c'est fini, la transaction est faite, bah elle m'a été donnée. Bah non, on va se rembourser, c'est nul, ça marche pas. Ok. Allez, suivant. Tu fais la muchata ou quoi? Comment ça s'appelle? La piña colada. Ok, moi j'ai jamais fait ça, je veux le faire. Piñata de Noël. Pour une fois, ça va pas être ma soeur. Tu le tiens et je frappe. Ouais. Parfait. J'ai peur pour mes articulations. Mais non, ça va rien faire, c'est pour les enfants. Mais je te dis qu'il faut frapper ça fucking fort. Oui, c'est correct. Non, regarde, je vais mettre ça sur un bâton. Mais je veux pas frapper ton bras. Mais Soy, tu te rends pas compte? C'est dangereux. C'est parti, Soy. Ah, je suis contente que ce soit pas mon bras. Non mais regarde, je vais tenir avec mon bras et toi tu vas frapper, ok? Mais je vais te ruiner les articulations. Mais t'es bête, regarde. Frappe comme ça. Qu'est-ce que je risque? Me fais pas mal, hein? Ah non, je vais frapper comme ça. Ok. Non mais pas dans moi, hein? Oui, attends. Que ça marche pas cette connerie. Attends, il faut l'éclater, c'est le but. Ok, mais tiens-le toi-même et frappe avec l'autre main. Ok, je tiens moi-même.
franchement, c'est trop nul. Non, c'est pas comme ça. Mais non, arrête, je vais frapper. Frappe sur ma tête, Soy. Non, ça marche pas, Soy. Ça marche. Non, je suis pas la pina colada, Soy. C'est le moment, Roman, de ressortir tous tes arts martiaux que tu as accumulés, tout ton savoir pendant des années. C'est le moment de donner au monde ce qu'il attend de toi. Éclaté. Les enfants, ils arrivent à casser ça? Apparemment. Avec quelle force? Ah! C'est écrit pour remplir, appuyer ici. C'est-à-dire qu'elle est même pas remplie. Tout ça pour rien. Non seulement elle est pas remplie, mais en plus on n'a pas du tout. Imagine, on aurait frappé, on aurait réussi à ouvrir et il n'y a rien qui sort. Quelle déception. Ben, on peut pas mettre zéro parce que c'est écrit, mais là je non, pas, mais attends, je suis super déçue. Attends, mais comment ça elle est pas remplie? Moi je pensais que ça venait rempli. Ben moi aussi. Une pinata, tu la mets remplie. Je suis blindée dessus. Zéro. T'imagines, tu fais blal party et tout, genre t'invites plein de monde, tu mets une énorme pinata au milieu, y a rien qui sort. Tout le monde tape et tout, genre ouais. C'est la fête, c'est le bouquet final de ta soirée, genre. Ah, y a rien qui sort. Un énorme bolos. C'est dur à encaisser, hein. Ouais, c'est clair. Bon, objet suivant. Bah franchement, je crois qu'on a fait le tour des objets, Soy. Non, il y avait un truc pour moi, un battement. Bah oui, mais je sais pas que ce qu'il en est, moi, de ça. Il est pas arrivé. Bah je sais pas. J'ai encore plus envie de pleurer, franchement. Ouais, on a dû skip en fait la deuxième tenue. Tu vois, c'était pour moi. Je t'ai dit, c'était pour moi, c'est pas pour Bernadette. La petite jupe, c'était pour toi. Mais oui. Je t'ai dit, je m'en souviens. Comment elle fit à Bernadette? Elle va me fit aussi? Attends, c'est incroyable. Mais non. Et attends, du coup, il y a le petit truc, les cornes. Non, mais c'est pour les bébés, là, rendu là. C'est juste, on voit le cucu, quoi, en arrière. C'est trop débile. Et il y a un truc qui va avec, du coup? Il y a la corne de licorne. Ok, mais c'est pour un chat, c'est pas pour une personne, ça. Elle est pas une petite. Bah oui, c'est pour un bébé. Ok, donc Romane, elle a une belle robe. Moi, pour moi, on a commandé un truc pour bébé, quoi. Je pense que c'est... Maman, c'est la façon dont elle nous voit, parce que c'est maman qui a commandé ça pour nous. Ouais, bah c'est sûr, elle a cru encore que j'avais 4 ans et demi. Oh, t'es trop cute, ça. Maman. Mais en fait, la jupe pour Bernadette, elle était pas pour Bernadette, c'était la jupe qui était pour moi. Mais non. Mais peut-être... Regarde comment c'est petit. Oui, mais je pense... On voit le cucu. T'es restée bloquée, Jeanne, elle a plus 6 ans, hein. Mais regarde, regarde. Romane, mais une belle robe, moi je ressemble à ça. Oh, pauvre nénette. Heureusement que t'as gardé ton pantalon. On va donner à Bernadette. Non, mais attends, franchement. Ouais, pour ça c'est bien, pour faire Jojo le clown, genre. Je suis vraiment la petite sœur maltraitée de cette famille. Ouais, je crois que c'était comme ça, en plus ça allait. Je suis pas respectée en ce moment. Oh my god. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir. Mon moment préféré. Enfin celui-là en tout cas, ça c'est sûr. Les cornes, franchement, les cornes c'était incroyable. Les cornes c'était génial. Le jeu de cerceau. Ouais. Et puis ça, la petite maison en KitKat aussi, c'était un vrai plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi mon meilleur moment ça restera celui-là. Bon bah voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Likez s'il vous plaît, juste pour ça. Si, parce que si vous aimez cette tenue, n'hésitez pas aussi à liker. Au moins t'as appris une chose, que tu pouvais renvoyer des articles à Amazon gratuitement. Et j'ai appris aussi une autre chose, c'est que dans les pignatas, il n'y a pas de bonbons. Ouais. Genre, ma vie entière se remet en question. Je te jure. Hein. Oh, combien tu notes Bah franchement, si j'avais 2 ans et demi, 10 sur 10, mais là du coup... Tu veux le garder pour ton chat ou... Ouais. Tu veux vraiment le garder pour ton chat? Bah si tu l'utilises pas, je vais le garder pour mon chat, ouais. Non, moi je vais le renvoyer. Ah oui, c'est vrai, je vais te renvoyer. Non, ça ira super bien avec Bernadette, ça. C'est une influenceuse, Bernadette, elle a besoin d'outfit. Bon, merci d'avoir fait partie de cette vidéo. Franchement, merci aussi à vous. On vous fait des très gros bisous et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.